Bonjour et bienvenue sur YolaFR, donc c'est Nico. Je voulais vous présenter, c'est l'application YouTube Player pour SelfishOS, donc une application open source, donc il y a un GitHub disponible. Donc application YouTube qui pourra bientôt remplacer celle d'Android, parce que toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles, mais les principales. Donc par défaut, on va arriver sur les catégories YouTube. Ici, j'ai pris la première catégorie, donc c'est les films. On aura à gauche les vignettes, à droite le titre. Donc on arrive dessus, on a la vignette en grand, on aura donc le nombre de vues, ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils n'aiment pas. Le descriptif, pour l'instant, on n'a pas accès aux commentaires, ni on ne peut pas en déposer, ni voter, donc ça c'est pas encore possible. Par contre, on peut jouer la vidéo sans problème, le lecteur y est intégré. Voilà, on peut mettre en mode paysage. Donc la qualité est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je vais revenir. Voilà, je reviens en catégorie. Par le plus les menus, on pourra faire une recherche. Donc, par exemple, YolaFR. Hop, voilà. Donc, on retrouve mes vidéos. Je vais relancer Play. Voilà, donc là, la vidéo a commencé. Comme on peut voir, c'est que si je reste comme ça, donc la vignette, c'est simplement le logo de l'application. On n'aura pas la vidéo minimisée. Le son il continue. Par contre, si je lâche, là, ça va mettre en pause. Donc je reviens dessus, je refais lecture. On a la barre d'avancement. Donc je peux sélectionner comme ça. Bon, ma connexion est un peu longue. Voilà, c'est bon quand même. Je vais revenir. Toujours dans le premier menu, donc on peut rebasculer sur les catégories. Voilà. Les paramètres, on aura tout simplement dans le paramètre écran, c'est simplement pour afficher le nombre de résultats qu'on va afficher par page. On peut augmenter jusqu'à 50. Je fais un retour. Et à propos de l'application, donc pour l'instant, version 0.1.1. Merci. Voilà, ça peut un peu de mal à mettre la mise au point. Donc 0.0.1, elle est disponible sur le magasin d'applications Yola et pas sur OpenRepo. Donc espérons qu'il y a des mises à jour qui arrivent justement pour tout ce qui est partage, uploader sa vidéo, déposer des commentaires, aimer, apprécier. Mais bon, le plus important c'est de pouvoir lire convenablement ses vidéos et déjà c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de l'application. En tout cas, c'est très sympa. Voilà, bonne journée, au revoir.